Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto où je vais vous montrer comment changer la vitesse de vos ventilateurs. Alors sur ce tutoriel, nous allons utiliser le logiciel MSI Afterburner. Quand vous arriverez dessus, il faudra scroller jusqu'en bas où vous trouverez MSI Afterburner. Alors vous allez le télécharger. Une fois téléchargé, vous allez vous retrouver avec un fichier zip. Donc vous allez faire clic droit, extrait ici. Et si vous n'avez pas WinRAR, vous allez l'ouvrir, le copier et le coller. Une fois extrait, il faudra juste ouvrir le setup. Alors je ne vais pas vous montrer comment l'installer, il faut juste spam clic suivant. Une fois installé, vous aurez ce raccourci qui sera sur votre bureau. Quand vous l'ouvrirez, vous aurez normalement cette présentation. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, c'est à peu près pareil. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le fan speed, donc vitesse des ventilateurs. Vous allez cliquer sur auto pour le changer manuellement. Et vous allez le mettre là où vous voulez, par exemple 100%. Si vous voulez que la vitesse des ventilateurs se change automatiquement, vous allez aller dans paramètres, ventilateurs, et changer cette courbe. Par exemple ici, on veut que les ventilateurs soient à 70% dès que la carafique est à 40 degrés. Vous pouvez changer ça, personnaliser-le comme vous voudrez. Voilà, c'est la fin de ce tutoriel, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous abonner. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer en commentaire, j'y répondrai. C'était PLS Tuto, ciao!